Voilà, on est revenu. Ah, les Sims. Il y avait la musique avant? Oui. J'avais oublié les musiques. Je vais bouger un peu le clavier pour être plus confort. Parce que je fais de la gymnastique de main depuis tout à l'heure. Hop. Encore plus. J'aime une kiné. Kiné, plus disponible. Ah là là. Vraiment une très bonne chanson de Claude Nougaro. Alors là, oui. Alors là, une très bonne chanson. Une de ses meilleures. Pas de commentaires supplémentaires sur cette chanson qu'on adore. Alors, en fait, avant de faire quoi que ce soit, de la lumière et tout ça, on va choisir Kidoro. Le chat dort dans cette pièce, c'est sûr. Bah, c'est sa cabane. C'est la pièce du chat. Très classe comme cabane. Est-ce qu'il y a des objets à chat? Mais pourquoi je vois pas le chat? C'est meilleur, ça. Chambre, salle à manger, salon. Il n'y a pas une catégorie objet achat extérieur. Oh, il y a des objets d'extérieur, j'avais oublié. Mais décoration de toit, non, vous avez pas fait ça. Vous avez pas fait ça. Ils l'ont fait. Mais bien sûr. Alors attends, quoi, qu'est-ce qui se passe? Roses are red, violets are blue. Is the first member of Dick crew. je viens de la comprendre. Elle est très bonne. Tac. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, j'en mets un, je sais pas ce que c'est, mais je le veux. C'est bien calme, dites donc. On n'est pas ambiancé par les Sims. Bon, écoute. C'est des trucs pour faire des maisons japonaises, des pagodes. Ah, c'est stylé. Ça. Ah, voilà, j'en ai mis juste deux petits bouts dégueulasses, ça suffit. Écoute, moi, je trouve que les Sims ça passe bien. Un, mon épée. Ah bah tiens, tout à coup plus d'épée. Qui trouve que les Sims ça passe bien? Bah, celui qui a plus d'épée, bizarrement. Ok. On va mettre des lampes d'extérieur. En fait, j'ai pas fini l'extérieur, je suis désolé. Dans les Sims, chacun dort là où il veut. Bah, c'est ça le problème. Dans la piscine? Non. C'est la chaise musicale des épées. Ah, mais j'ai pas enlevé les épées en plein jeu, je l'ai peut-être enlevé avant. Je te rappelle que la pause a eu lieu. Des lampadaires parce que c'est stylé. On va mettre des éclairages près de la piscine aussi et on sera bon, je pense. Ah, c'est bien ça. T'as vu cette espèce de lampe moyenâgeuse là? Elle est pas mal. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi qui déplace. C'est moi qui déplace, c'est normal. Il faut des trucs de... Alors, il faut des places de parking, c'est où? Grande place de parking, voiture. Megabouille qui a testé pour voir s'il l'avait récupéré. Alors là, attends, non, on va mettre la voiture à l'étage. Tant que j'ai des trucs qui prennent de la place, la voiture. Ça, c'est pas une chambre, hein, on est d'accord, a priori. Là, ça sera une place de voiture, très bien. Et on va acheter une voiture, genre cette voiture. Ou cette voiture. Cette voiture. Ah, cette voiture. Ah, une voiture dans la maison, pourquoi pas. À l'étage. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent quand même l'utiliser. Ils peuvent aller en ville en voiture. Ah, mais comment ils font du coup? Ils vont dedans et mystère. Ils vont dedans et elle disparaît, ils arrivent quelque part. C'est très bien. Collection. Ah, mais alors comment on trouve? Cavalière. Ça, c'est pour avoir notre cheval, mais... Ouais, je sais pas ce que c'est, je l'ai mis là. Ok, j'en mets un autre, c'est joli. Pas des trucs rapport aux animaux, j'aimerais bien des trucs rapport aux animaux, mais non. Ah, peut-être qu'il y aura plus d'épées à la fin, qui sait, ça on ne sait pas. Non, c'est pas grave, mais fous la paix avec le mode shopping, saleté de trucs. Peut-être que l'époque des épées est révolue. Bon, allez, faisons la maison du chat en premier. La maison du chat. Qu'est-ce qu'un chat a besoin pour vivre? De petits électroménagers, genre un distributeur de boissons chaudes. Non, on peut pas. D'abord un plan de travail. Rose. Non, c'est faux, c'est pas du tout ce qu'un chat a besoin. Un lit. Non, alors ça c'est un lit qu'il faut acheter, j'ai pas envie d'acheter un lit. Non, pas de lit superposé vu qu'il est... Ah, le lit du chat, c'est pas mal ça, comme lit pour le chat. Ah bah écoute, c'est toi qui décides, mais c'est vrai qu'il est bien. Ce sera le lit du chat. Il faut des petites lampes pour avoir de la lumière, sinon il peut pas...
Voilà. Un miroir pour se regarder. Parce qu'il s'aime bien, c'est un chat. Mais bon, il est un peu trop haut le miroir, mais tant pis. Des plantes pour faire pipi dedans. Ou juste parce que c'est des plantes, quoi, c'est joli. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait chat. Hein. Il fait sombre dans cette pièce. Pourtant, je viens de mettre plein de plantes. J'écoute ce que je dis. Oh, c'est trop bien ça, j'en veux un pour le chat. Ah bah oui. Une pendule chat. C'est pas une pendule? Si, c'est une pendule, je pense. Ouais. Oui. On va même en mettre deux parce que c'est pour bien qu'on monte saucer chez lui. Ok, bah ça c'est le rez-de-chaussée, c'est sa chambre quoi. Normal. Et à l'étage. Un petit sofa. Non, il est pas agréable ce sofa. Oh là là, mais. Ouais. Alors je sais pas si. Je veux pas être sans seigneur. Ah, les gens sont vraiment fous avec les API. Mais vraiment? Ah, ouais. Oh, ça c'est stylé, j'adore. Pourquoi je peux pas le mettre? J'ai pas la place. Ah, si, voilà. Oh, trois tapis superposés un peu en mode. Ouais, en mode. Pff, rien à battre. On peut mettre des tapis les uns sur les autres en plus. Ce chat c'est vivre. Et il faut une tapis, c'est bien connu. Une télé sur un des murs. Mais pas en face du sofa, c'est très mal pensé. Ah, une de retour. Encore des lampes, sinon il va pas avoir. What? C'est trop bien ces lampes. J'aime bien cette tour, je pense que j'y serais assez agréable. J'y serais. Oh, des boîtes, des trucs de. Mais oui. Ok, le chat a des bandes d'arcade dans ça, dans son. Wow. Devant la fenêtre éventuellement, mais non, voilà, ça c'est la salle à la cool. La salle à la cool avec des trucs de la sortie est par là, trop délirant. Bah je sais pas moi. Wow. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dans leur salle à la cool en tout cas. Il y a un petit panneau exit. Oh là. C'est horrible. Et un petit panneau excité totalement inutile, oui. Je mets des trucs au pif, hein, on verra plus tard. Ouais, non, c'est pas très à la cool ça, j'aime pas trop. C'est le même groupe, genre, les fans de ce groupe précisément. Un tableau abstrait. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est pas mal, on se sent assez bien, non? Ah, c'est pas mal, pour enlever les limitations. Placer le cheat move object on off. On va mettre une table. Voilà, si jamais non, ça lâche pas. Pour enlever les limitations de. Les limitations d'objets, c'est quoi les limitations d'objets? Mais... Il y a des limitations d'objets dans le jeu? Bah, moi, non, mais par exemple, tu peux. Limitation pour placer quoi. Tu peux placer les objets beaucoup. Ah bon, oh, ça va, c'est gentil, mais on se débrouille, mais n'importe quoi. Ok. A priori, ça va, non? Stylé cette salle quand même. Ah, c'est la salle du chat, il est cool le chat, tout le monde l'adore. Ça, je sais pas ce que c'est, mais il en a un. Peut-être on va faire un minibar quelque part, c'est quand même pas mal, non? Je sais pas ce que t'en dis, un frigo avec de quoi. Même un frigo un peu naze, mais. C'est la cabane du chat, c'est totalement la cabane du chat. Exam, voilà. These pictures look like Big Boss. What? Wow. Which pictures? What? Is there a picture where we are looking like Big Boss? You mean from Metal Gear? I don't understand. C'est la cabane du Kevin chat. Cabine de DJ, mais n'importe quoi, mais n'importe. Mais ces trucs sont trop gros. Une bibliothèque, parce que la culture c'est aussi très fun. Et ça c'est important. Bah, comme je dis, bah tu pourrais superposer les objets du schnapps avec le code. Ouais, mais c'est vrai, mais. Voilà, la culture c'est vraiment marrant.
C'est une bonne pièce. Moi, je pense qu'on s'y sent bien. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, moi, j'aime bien, j'aime bien. On va même mettre encore une lampe qui est suspendue, là, au milieu. Hop. Comme ça, il y a vraiment beaucoup de lumière. Très, très joyeux, quand même. Voilà, donc le chat, il sait vivre. Le reste, maintenant. Il faut une pièce pour Stéphanie. Comment peut-on penser au froid avec ta guirlande et ton mur? Où habite Stéphanie? En haut de la tour, tu penses? Stéphanie... Ou dans une pièce nulle? Une pièce nulle, clairement. Une pièce nulle. Cette pièce. Cette pièce, ouais. Vraiment très triste, la vie de Stéphanie. Ouais, Stéphanie. Je crois que c'était pas mal. Bah, après, j'ai rencontré Stéphanie, hein, mais... Donc dans l'étage où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de porte pour entrer ici. Merde, j'ai encore oublié des trucs. C'est pas... Non, j'ai appuyé sur la ville. Et voilà, il a appuyé sur la ville. C'est pas grave. C'est il a appuyé sur la ville. C'est pas grave. Tu dis ça, puis après... Du coup, je vais voir lire un peu le chat. Je vais vivre dans cette pièce. Tu m'étonnes que t'es pas froid, comment puis-je recevoir une guirlande à ton mur. Hop, et voilà, on reclique dessus, et on reclique sur ça. Mais en fait, ce qu'on va faire, non, on va profiter qu'on est là, on va cliquer sur eux. Et eux, ils vont acheter ça, voilà. Ouais, vas-y. Ils ont plus assez de fric, c'est ça le problème? Partager, supprimer, mais j'aimerais bien qu'ils aillent vivre là. Ça s'est fait ou pas? Je comprends pas. Afficher les maisons vides, afficher les foyers. Prix. Eux, ils ont. Ah, mais ils ont pas assez de fric. Comment on fait la difficulté? On diminue la difficulté? Mais je comprends pas comment on fait. Partager. Pourquoi ils peuvent pas prendre cette maison que j'ai construite pour eux? Changer de type de terrain, sauvegarder la copie. Partager, construction, modifier les détails. Mon terrain, description du terrain, mais c'est naze. On va y arriver. Si je fais... C'est quoi le mot de passe? Ctrl, Shift, C. Et puis là, je fais... Testing... Cheats. On a bled. Boom, donc ça c'est ok. Maintenant je fais CTRL SHIFT Z et je fais Family Bones Delirarium et je mets genre 9999999. Commande inconnue Family Funds. Mais Family Funds il veut pas. Alors que. Ah bon, tant pis, alors ce qu'on fait. C'est que... C'est pas grave. On va faire Motherload. Mais le problème, c'est que j'ai... Ça marche pas parce que je les ai pas sélectionnés. Bon, mais je comprends pas comment on fait. Alors, du coup, si je reprends... Et que je me balade sur la carte... Mais dans une... tu peux aller changer de maison au bout du moment ou pas? Sinon, tu veux les mettre d'une maison, tu leur mets plein d'argent et ensuite tu les fais acheter l'autre maison. C'est vrai. Box shoot. Non, je sais pas si tu peux. En fait, pourquoi la maison elle est grise et les maisons elles sont où aussi? Il y a deux des gens là, c'est plus simple. Centre équestre. Alors attends, lui, on prend eux. Prix 3000. Fond du foyer 7000. Prix 261 000. C'est ça le problème, t'as raison. Donc on va faire ça, on va les mettre là. Non, il faut passer par la case banque. Elle est où la case banque? Ah, la case banque, elle est quelque part sur le... Panier du marché, centre urbain, place de l'étoile, tour de bureau, club privé, restaurant... Les voisins se disent où elle est. Centre de loisirs, rodéo gogo, entrepôt, mais c'est pas possible. Family Funds avec majuscule à Fund. Ah, on va essayer ça. Family. Non, avec majuscule à Fund. Mais à Oudo. Bah là, il faut pas oublier la majuscule au deuxième F. Mon avis, c'est comme ça, on va voir. Delirium. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On a connu Family Funds.
Mets un que au majuscule deuxième. C'est sûr parce que là tu. Ah oui. Ah, il connaît pas Family Found. Est-ce que je l'écris mal? Je crois pas, hein. Y'a pas de casse-ban. Ah, y'a pas de casse-ban. Oh là là. Ah, elle est sale. Allez, faut moi. Une maison. On va faire ça, on va prendre une autre maison. Vous, vous allez genre n'importe où. On s'en fout. Là, ici. Mais j'arrive pas à acheter des maisons. Là, y'a une mini maison vide. En plus haut là. Ah oui. Mais tu vois, il veut pas. Il fait juste que de cliquer dessus. Construction, achat. Chargement en cours. Mais je peux pas l'acheter. J'arrive pas à comprendre comment on se met à jouer en fait. On retourne en ville. Tant qu'on n'a pas la maison, on va pas continuer. Tant qu'on n'a pas la maison. Partager, placer la copie, replacer en ville. Comment ça, replacer en ville? Ah! Mais pourquoi ils me disent. Pourquoi ils me disent la copie? Ce foyer n'a pas le fonds suffisant pour acheter ce terrain. Veuillez choisir un autre terrain plus abordable. D'accord. Les biens, on prend voilà cette maison par exemple, voilà, acheter, boum, et puis on va les faire dégager après. Là. Bon, en gros, Mortis, pour utiliser ce cheat, il faut activer un autre cheat. Mais je l'ai activé juste avant. Oui, il l'a déjà mis normalement. Mais... Revenir, mais j'aimerais bien jouer avec eux maintenant. Je comprends pas pourquoi que je les ai placés là et après je dis je veux jouer avec eux, c'est ça? Fusionner avec, expulser. Mais ils sont passés? Mais je suis en mode édition. Non, je suis pas dans le mode édition. Mais là tu les as mis? Éditeur de monde. Changer de foyer actif. Créer un foyer. Choisir un foyer. Alors. Sélectionner un foyer. Ce foyer. Ah, pour voir les gens vivant à cet endroit, ici, voilà. C'est eux, sélectionnés et du... Oh là, ça a changé. Très bien, vous pouvez parcourir les foyers de la ville ou commencer à jouer maintenant. Très bien, donc on a eux. On va mettre pause, on va leur donner un max de flouze. Max de flouze. Après, ils vont se casser de la baraque. Et ça devrait aller. Oh, to dab, what is dab? Dab, daba, daba, daba. Oh. Ah, c'est une belle famille. Ce cheval. Découvrez votre smartphone, bah ça va. Pause. Merci. Cheval. Et le célèbre Motherload. Quoi? Ah, mais je me suis trompé de décor. C'est normal. C'est Load. Voilà, et là, il gagne du fric. Voilà, il gagne 150 000 à chaque fois, ce qui est pas mal. Alors, si je me rappelle bien, il fallait à peu près 200 000 pour acheter notre maison. On va leur donner 300 000, comme ça on est sûr. Ok, maintenant, comment on fait pour quitter la maison? Immortaliser ce moment, blablabla, retourner en ville, voir mon sim. Alors, Legolas de Bourguignon, jamais. Smartphone, console, changer de tenue, non. Mais foutez-moi la paix. Est-ce qu'ils peuvent quitter leur maraque seulement? C'est une bonne question, ça, non? Est-ce qu'on les a con? On peut les faire déménager normalement. Je sais pas comment on fait. Vu plan. Va sur la maison, peut-être un truc possible. Ouais, voir. Mais il y a personne, imbécile. Alors, si tu avances la map, il y a pas un truc genre enfin bon, bref. Oui, tu peux déménager différents. Comment on fait? Maison et travail. Est-ce qu'il y a une agence de maison et travail? Non. Vie nocturne, opportunité, mission, emploi, immobilier. Pour déménager, c'est le téléphone, je crois, différemment. Ah, alors essayons ça. Est-ce qu'on a un téléphone seulement dans cette minuscule baraque toute naze?
On est très riche, mais on a une toute petite maison. Ça c'est une poubelle. Mais qui voudrait d'une maison pareille avec un écran géant d'ailleurs, mais il n'y a pas de téléphone. J'ai un cheval à nourrir, bon sang. Bon, très bien, donc il n'y a pas de téléphone, c'est pas grave, on va faire un téléphone. Téléphone, on en met un, voilà, il est là. Mot de vie. Tu vas là, appeler un SIM, s'inscrire à l'université, s'inscrire au prochain service immobilier et de voyage, c'est ça, voilà. Hop, service immobilier et de voyage, emménage. On veut trouver des opportunités immobilières, et là on fait play. Boum, 300 000 qui tombent dans la poche, on ne sait pas d'où. On ne sait pas d'où. Ah, les golas de Bourguignon, il me fait bien rien déjà. Vas-y. Quiconque ne joue ni jamais entendu parler de Patapon. Patapon. The game on PS. On PS. Alors, type de propriété. Mais ma maison elle est pas à vendre ou quoi? Google Translate, don't fail me please. Très bien, donc en fait les propriétés ne sont pas achetables actuellement. Donc bon. Dans tous les cas, on va revenir au mode. Bon, mon sim, non. Comment on retourne au mode que j'étais avant? Modifier la ville, voilà. Oui, sauvegarde, vas-y, c'est pas grave. On reviendra plus tard là-dessus, on va se débrouiller. Faut que j'arrive à rendre cette maison achetable. C'est sur PSP, PSP. Non, c'est ça, hein. Ça a l'air pas mal. Donc alors, on revient ici, cette maison. Changer de type de terrain. Non. Comment on fait pour la rendre achetable? Construction partagée. Bon alors, construction. On retourne ici. Est-ce qu'il y a des options en rapport à la maison? Mode shopping, comment c'est arrêter la capture vidéo, menu options. Ben, valeur. Tous les propriétaires. La propriété est passée à l'ère du numérique. Tous les actes de propriété obtenus par les SIM sont interdits de la ville. Les SIM peuvent désormais gérer leur propriété par téléphone ou sur ordinateur avec de nouvelles options améliorées. Oui, mais. Oh, l'envoi de cadeaux aux amis en ligne. Nah. Grille placement intérieur activé. Pièce prédéfinie. Ben, c'est les fonds du foyer. C'est les fonds de foyer machin. Alors, pourquoi j'ai les fonds du foyer. Emménager plutôt. Ah, je sais pas si c'était trop tard. Oh, si, on y va. Modifier la ville. Là, on retourne en mode famille. Alors, comment j'ai fait? Je sais plus. Changer de foyer actif. Non. Delirarium. Non. Créer un foyer. Je comprends rien. Nouvelle interface, elle était plus simple avant. Hein. Oh non, 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 je veux pas continuer, non. Afficher les maisons vides. Oh là là, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a notre maison dans les maisons vides? Je suis pas sûr. C'est pas la de l'an dernier? Peut-être bien. Sourire, trois champs, non. Éditeur de monde, mais. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Je sais même plus comment j'ai réussi tout à l'heure à revenir au jeu. C'est là, pardon, pardon. Oui, sauvegarder. Pourquoi il y a un gros bouton revenir au jeu? Ah, compliqué, compliqué. C'était beaucoup plus simple avant. Hein. C'était beaucoup plus simple. Désolé pour tout ce temps perdu. Morty Sonega, ever of you ever danced in front of a large amount of people? Nope. Yes! Non, alors, maybe, yes, I think. Possibly. Ok. My life is so rock and roll. Alors, tu reprends le téléphone. Tu téléphones à service immobilier de voyage, tu fais emménager. Et c'est parti, play. Vas-y, Michel, emménager. Allô, j'aimerais d'aménager une nouvelle maison. Alors.
Foyer bourguignon, déménager. Foyer délirarium, foyer bourguignon. Mais non. Maison. Choisissez une destination. Et là, je choisis cette destination. Oui. Et je les veux tous avec moi. Hein. Faire un foyer actif qui s'appellera New Delirium. Je crois que j'ai fait des fautes d'orthographe. Non. Ok. Vendre la maison, valeur 16 000. Emballer les meubles. Non, vendre les meubles. Voilà. Hop, accepter, c'est bon. Ils ont perdu 237 000 $ en allant habiter dans une nouvelle maison beaucoup plus grande. Alors, allez-y, allez jusqu'à la maison. Et le cheval, il vient aussi. Il peut pas rester là, le cheval. D'accord, le cheval reste là. Wow, c'est fou, quoi. Enfin, ils vont arriver dans leur maison. Ah si, il est là, le cheval. Ok, donc attends, pause. Parce que là, c'est le moment où on peut enfin mettre les meubles. À partir de là, c'est où on trouve que quand un déplacement est en cours. Comment ça, quand un déplacement est en cours? Ah, il est en train de courir comme un fou. Eh ben, tu vas là, mon pote. Allez ici. Il a pas compris. Mais vous allez pas tous bouger. Vous allez tous là, vous allez... Toi, tu vas là. Tu vas là. Et vous, on peut rien faire avec vous. Donc, play. Vous allez vous mettre à des endroits précis. Il bouge plus, là. Il bouge plus. On peut peut-être faire... Oh là là. Mais pourquoi qu'il est... C'est quoi ce délire de... Il faut qu'il soit pas en train de se déplacer. Et foutez-moi la paix avec vos trucs, s'il vous plaît. Ils sont pas en train de bouger. Mais ils sont pas en train de bouger, ils sont inactifs. Le chat est peut-être en train de bouger éventuellement, mais... C'est dingue, ça. Hop. Voilà. Très bien. On est parti pour un milliard d'années de faire des meubles dans les choses. À parler, c'est dur, hein. Alors, faisons les trucs du sous-sol, tiens. On va mettre une bibliothèque ici. Donc, Komus Ozu Osu Takae Wendan, c'est un jeu de rythme, c'est sur quoi? Si c'est le cas, ça m'intéresse, parce que moi j'aime bien les jeux de rythme. J'aime bien ça, moi, les jeux de rythme. C'est une mauvaise chaise Redfield. Ouais. Mais vraiment moche, quoi. C'est des trucs très chers. Oh non, à mettre un lit d'enfant, ça va être si glauque. Dans la pièce où personne ne va. Un lit d'enfant? C'est tout, ouais. Hardcore. Non, c'est pas un lit d'enfant, ça, c'est un putain de lit de campeur. Je veux un lit d'enfant, moi. Pas un lit d'enfant. Oh, oh là là. Ouf. Voilà, lit d'enfant. Plus ou moins. Hyper hardcore, vraiment. Il y a un néon et un lit d'enfant, et c'est tout. Salon-t-il. Dans cette pièce, ici, avec des néons sur tous les murs. Ah, c'est Elite Beat Agent. Il y en a eu. Ah bah, il y a des trucs de jeux qui sont là. On a eu deux jeux. Il y a eu deux jeux au son en japonais. Et nous, on a eu Elite Beat Agent. Oui, Elite Beat Agent, je l'ai déjà. Oh my god, hardcore. C'est quoi ça? Oh, c'est une statue maléfique ou un truc comme ça? Je sais pas trop. Ah d'accord, donc ce que t'appelles Osu, ça vaut le coup quand même d'y jouer. C'est quand même intéressant, c'est pas juste une adaptation. Il y a un autre jeu de rythme, elle nous avait parlé de quoi, le Star encore, je me rappelle jamais. Un truc avec des tambours. Ouais, c'était quoi déjà? Je sais plus, ça avait l'air bien.
ça c'est la cave, je sais pas trop ce que j'ai fait, je l'ai fait. Alors ici un grand couloir vide, ça me plaît assez bien, je pense. Peut-être moi quand même mettre des tapis. Je sais pas. Ah, Taiko no Tatsujin, c'est ça. Exactement, Taiko no Tatsujin. Ah oui, non, comme ça c'est bien. Bien joué, Taiko no Tatsujin. Ça c'est bien ça, Taiko no Tatsujin. Mais alors le jeu, tu vas pas être un imbécile hein. Mais voilà. Ok, bah très bien, bah je vais suivre tes conseils Comus et bon après le truc c'est chaque fois de jouer en émulateur c'est chiant, je vais essayer de, plutôt de les trouver pas mal ce petit coup, n'importe hein. Parce que vu que la DS est pas zonée ça vaut le coup, puis bon les jeux de rythme c'est moyen de s'en sortir sans comprendre. Très très beau. Ça mène où ça? Ça mène à une pièce ici, voilà. Dans cette pièce il y a une statue avec une tour de serpent et quatre statues personnages qui regardent. Très beau. Voilà, dont un dont on voit le cerveau, et deux qui ont des chapeaux rigolos. Il y a un soleil derrière la statue aussi. Okay. Après, tu prends cet endroit ici, hein, dans le couloir de la mort. Voilà, le couloir de la mort. Et là, on arrive ici, donc on passe à côté de la chambre d'enfant sans le savoir. Mm-hmm. On monte, et boum, ici, il y a une chaise Redfield et une bibliothèque. Ah, c'est pas ça, ça me plaît pas mal. Ici, par contre, j'ai encore rien mis, mais je vais mettre un billard, je pense, si j'en ai. Il doit y avoir des billards, c'est obligé. Peut-être là-dedans. C'est vrai qu'il y a la super carte, j'en ai aussi une en plus. Un synthétiseur. Trop cool. Un synthétiseur là. Et un billard, ouais. C'est trop grand. Par contre, jeu de je sais pas quoi. Mais non, mais ça c'est trop grand aussi. Okay. Ah, un petit billard, un petit piano à queue. Voilà. En plus, un endroit vraiment pas très agréable pour jouer. Quoi. Bah, c'est la pièce de musique et de jeu. Ah, musique et jeu. Et. Ketsuo Taberu. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on en a un. C'est sûr. Ketsuo Taberu. Ça non plus, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est juste. Ah, ouais, c'est. Bon. Allez, Osu doit coûter pas mal d'argent. Attends, je. Une guitare. Le Taiko de base, c'est trop fou. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Tant pis. Une grande étagère vide, un truc pour peindre. What the? Qu'est-ce que c'est? Un mégaphone, bah y'a un mégaphone par terre. Taberu. Ketsuo Taberu. What the fuck is that? What is that? Ok. What is that? Bon, maintenant qu'on a fait les sous-sols. Ah oui, on avait dit qu'on faisait la chambre de la meuf. Qui est là donc. Ok. Dans la chambre de la meuf. Thing, I don't even know what it is. Alors il faut un lit nul pour la meuf. Un lit nul pour la meuf. Non, ah, pas c'est du pour tout, la meuf que j'ai fait. Ouais. Ah oui, alors s'il te plaît, donne-toi de la peine. Ah ouais, je suis là. Si, il est vraiment assez naze, hein. Ah, il est vraiment très naze. Oui, il y a pas de porte, c'est toujours le même problème d'ailleurs. C'est ça, c'est pour ça que. Attends. J'étais passé en mode ville. Parce que je m'étais trompé. Il faut faire une porte extrêmement inintéressante. Voilà. Il y a donc un lit. Mais après, tu peux attribuer les chambres ou pas vraiment? Non, pas du tout, non. Ah. En fait, ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est ça qui est un peu énervant. Hein. Tu passes du temps à te démener pour eux et puis. Et au final, ils te crachent au visage, quoi. Non, ça c'est pas du tout assez normal. Hein. Non, ça c'est trop bizarre. C'est quoi ces chaises là? Tu vois, une chaise ultra normale. Mais non, mais c'est pas du tout normal. Il doit y avoir des. Voilà, ça c'est une chaise. Oh, that's what it means in Japanese, okay. Oh, that's it. Qu'est-ce qui se passe? Sensei dit, mets un billard à l'entrée.
On mettra un billard, hein, t'inquiète pas, comme ça il y aura un billard. C'est juste que là, je fais d'abord en priorité la chambre de la meuf sans intérêt. Mets une deuxième porte dans la chambre, ça peut être utile en cas d'incendie. Plutôt chaise. Voilà. Une table. C'est normal, voilà, une table normale. Ah, elle est bien cette chambre, deux petits sièges, elle est bien. Elle est vraiment tellement triste. J'ai une lampe ou pas? Ouais, il y a des lampes, attends. Elles sont... Ah, en fait, il y a quatre lampes. Mais non, mais j'ai, du coup, je fais des choses. Non, mais non! Ah là là! Mis Salem Bourguignon. Voilà. Ah, il y a quatre lampes, tu vois, deux dans le chapeau. Ah, sans intérêt, quoi. Hyper nul, quoi. Exactement. Peut-être on peut mettre un petit cadre, mais il faudrait qu'il soit vraiment sans intérêt, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Des trucs de sport, qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est bien ça, ouais. Elle a ça. Non, ça c'est trop cool. Non, ça c'est trop. C'est pas très cool, mais c'est. C'est pas mal aussi. Ça c'est vraiment nul, je trouve. Parfait. Les poupées qui font peur, mais n'importe quoi. Marelle. Non, c'est beaucoup trop délirant, je suis d'accord, mais je t'ai surpris par les objets, du coup, voilà. Ben voilà, je crois qu'elle est bien là, hein. Oui, faire des oui, le truc de sport, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Ah, un téléphone. Un téléphone, voilà. Ah, c'est horrible, elle est horrible, cette genre. Et une alarme incendie. Voilà. Ah, d'ailleurs, faut qu'on achète une pile. Depuis très longtemps, oui. On a pas d'alarme. Une alarme incendie qui s'est déclenchée tout seul. Il y a une poubelle aussi, voilà. Une poubelle. Je pense que c'est vraiment. Since we're already on the subject, Yon Yaku Nijun Mai Yon. Alors, ce que je propose, c'est que. Donc, ça, c'est la chambre de la meuf. Et la chambre du génie, ce soit l'énorme pièce autour. Là où il y a la voiture, enfin il y a le camion, ouais, ok, ça va. Et pour aller dans sa chambre, elle doit passer par la chambre d'en haut. C'est ça. C'est horrible, ouais, c'est parfait. Tiens, ah, il y a un trou là, il faut que je mette des... Attends. Moyazo. Il faut être dans sa chambre. Non, pas les toilettes dans ce sens, c'est pas du tout normal ça. Désolé, mais elle est normale. Hein. Elle est pas comme les autres. Donc alors, le génie. Il a une super chambre géante, avec une porte qui donne sur rien et pas de lumière. Wow. Ah si, on met des lumières quand même. Quelles sont les lumières qui éclairent le plus à ton avis? Ah, les nerfs. Alors non. Super. Peut-être gros. Des grosses potes. Quoi ça? Oh, c'est beau ça! Non, mais ça en fait, ça va lui avoir une chambre mystérieuse vu que c'est un génie quoi, c'est comme une sorte de grotte. Ah oui, une grotte, oui. Avec quelques lampes par-dessus. Mais non, dans le trou, faut mettre une barre de pompiers pour descendre. C'est possible ça? Je crois pas. Ah, ça serait top de mettre une barre de pompiers. Mais c'est un rêve qu'on a tous, hein. C'est un peu un rêve qu'on a tous, c'est vrai. Ah, ça serait tellement drôle, là, j'ai une petite rambarde en bois, c'est tellement con. Mais attends, dans les lampes d'extérieur, il y en a pas. Attends, ici, il y a des lampes d'extérieur. Il y a genre un spot, voilà. Ça, c'est bon, ça, un spot. Ah, maison a besoin d'un bidet, nous dit Durg. Maison a besoin d'un bidet. Mais ils font pas du tout fort, ce spot, c'est quoi ce spot? Ah oui, bien sûr. Ah, là, ça me parle. Mais pourquoi je peux pas? Durg, do you mean we need to build some toilets? Is that so? Do you think? C'est juste un champ de spot géant, parce que j'ai envie. S'il n'y a pas de barre de pompiers, ce jeu est mal foutu. Est-ce qu'il y a des barres de pompiers? On ne sait pas. C'est quoi ça? Je crois pas qu'il y en a. C'est des spots géants, j'ai décidé que j'en ai mis 4 dans le. Ah, des spots géants, ça va faire la nuit quoi. Exact! Et il y a des flammes en rose autour. Ça coûte 5$, c'est pas très cher. Non, c'est pas cher les flamants roses. Les spots géants, par contre, c'est 4500$ pièce. Combien? 4500$ pièce. Oh bah 4500. Ça, c'est du foin pour le cheval, sinon il aura faim.
On est d'accord, hein. Ouais, ouais, non, mais normal. Des spots, des flammes roses et puis du foin. Non, mais. Non, mais tout à fait, quoi. D'ailleurs, dans la chambre du cheval, il faudrait mettre du foin aussi. Et en fait, il faudrait que je fasse une pièce de répétition parce que je lui fais une pièce de musique en bas, mais il faudrait une vraie pièce de répétition pour qu'il fasse de la musique. Ah, bah oui, c'est un groupe de musique, n'oublions pas. Le but, c'est qu'au final, il fasse de la musique tous ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Punaise. J'aurais jamais fini cette baraque cette semaine, en fait. C'est trop intense. Mon délit superposé, ça ne m'intéresse pas. Un lit d'amour, non, parce que c'est quoi ça? C'est un cercueil. Le génie pourrait dormir sur un cercueil, à côté de son camion préféré. Voilà. Wow. C'est là où dort le génie, je pense. C'est morbide, hein. C'est un peu un camion et à côté un cercueil. Et un immense miroir, tu sais pourquoi? Parce qu'il peut pas se voir dans un miroir. Et du coup, tous les matins, il regarde dans le miroir en disant « Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais me voir ?» Oh, c'est triste. Et la réponse est toujours non. En fait, je mets des miroirs sur tous les murs parce que je trouve ça fun. C'est ça que tu coûtes cher, leur miroir. Bah, des miroirs de cette taille-là, c'est cher, hein, je pense. Ça va, ça va. Il y a la lampe au milieu, tu vois. Qui n'est pas reflétée, la lampe. C'est une lampe vampire, mon ami. Merde, j'ai mis le miroir de l'autre côté. Tant pis. C'est pas mal aussi. C'est très bien, je pense. J'ai du mal, je veux pas la mettre là, bon, tant pis. Allez. Avec cette musique, on est vraiment quelqu'un est fou et en train de tapisser ses murs. Mais j'ai encore mis un mur de l'autre côté. Oh là là, bon, là c'est le destin, c'est le destin. Ouais, c'est que le jour voulait que je le fasse, bon bah je le fais alors. Okay. C'est très bizarre, cette grande pièce très mal éclairée avec des miroirs partout sur les murs. Had some friends over there who were able to confirm. Dans le cercueil pour la démon. Ah, j'avoue. J'avoue que là. Mais c'est pas une mort vivante, c'est une démon. Ah! Ça n'implique pas forcément de cercueil, quoi. Moi, je pense pas, non. Bon, il veut pas le mettre de ce côté, c'est trop fini. Terrorisant, cette pièce. Bah, non. Ça va encore. Très bizarre surtout parce que les miroirs sont pas bien mis, il y en a vraiment pas. Ils sont pas très bien alignés. Fond insuffisant. Ah bah c'est le moment. C'est pas grave. Mother Load. Quand ça c'est pour relever, non? Je sais pas si ça marche. Mais peut-être que oui. Je sais pas. J'essaierai la prochaine fois. Tellement voilà, donc cette pièce est couverte de miroirs. Elle est miroir à peu près partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de besoin pour le génie? Qu'est-ce qui lui plaît dans la vie? Qu'est-ce qui est un peu génifique? C'est peut-être des plantes vertes, c'est mignon. Une cage. Why chicken nuggets or leftover steak for dinner? Wow, that's a question I think. Ouah, trop stylé. Mais oui, allez, c'est un peu la jungle dans sa pièce. Déjà plus tu ne mets les miroirs, ça coûte tellement cher. Et j'ai acheté 4 spots à 4 500 $ aussi. Vous ouais, vous c'est les spots aussi qui ont coûté cher, c'est vrai. Une petite atmosphère de jungle, on s'y sent bien dans cette pièce. Ça sent que c'est une jungle, c'est une sorte de labyrinthe junglastique sans fin. Oh là là. Franchement, l'ambiance est bonne, non? Voilà. Oh là, mais... Wow. Je suis impressionné. C'est pas mal, hein? Alors donc ça c'est la pièce, alors il nous reste la démon, le cheval je suppose qu'il va vivre à l'extérieur, dans la piscine. Mais il nous reste le personnage principal aussi. Oui, bien sûr, oui, mais dans les vrais personnages à caser, il reste le personnage principal, Legolas 2. Ouais, Legolas 2, la démon. Je sais plus son nom, la démon. Techno-démon. Elle s'appelle juste Techno-démon. Ouais, je crois. Ok, Techno-démon. Techno-démon
le chat il a, la fille est là et le génie il a, donc c'est bon. Donc il reste dégueulasse 2. Et dès qu'on est bon, on va habiter en haut de la tour, je pense. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ouais, t'es. Ouais. On a peut-être jamais mis des arcs-en-ciel et des chats. Oh mon dieu. Elle a un au fond d'elle, elle adore les arcs-en-ciel, mais elle ose pas le dire. Alors, Ferré demande comment le camion est rentré. Comment quoi? Le camion est rentré? Ouais. On a découpé un petit morceau, on l'a reconstruit à l'intérieur, je pense. Bien, je n'en sais rien. Ça, c'est un livre en Technodémon, tu penses? Il est rouge et noir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va le garder en mémoire, puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah ça, c'est Technodémoniaque. Ça, j'avoue, c'est pas mal. 2600$, c'est en marbre. En fait, c'est en marbre. En fait, ah, on avait oublié de presser, c'est en marbre, ça coûte 2600$. Encore un miroir parce que j'adore ça, les miroirs dans les pièces. Bah écoute, non, en fait, finalement, non. Je peux encore mettre ce miroir que j'adore, non. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, Hydrobobon, tu parles du jeu qui s'appelle genre. Comment il s'appelle l'espèce de jeu qui ressemble un peu à Dark Souls mais en mode Japon? Non, je vois pas de quoi tu parles, c'est quoi? Je t'en ai parlé, je crois, tu sais quoi. Bah, je m'en rappelle plus, alors. Ouais, je suis petit. La fin de la parenthèse. Les arcs-en-ciel, le château, c'est tellement beau. Ah bah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. C'est une table transparente avec des galets en dessous au milieu ou... Ok. Nioh, ouais, c'est ça, exact. Bah non, tu vas pas parler de ça, je pense pas. Ah, voilà. Et c'est quoi du coup? Vraiment, c'est un jeu qui inspiré un peu de Dark Souls, mais en mode déjà pour faire de la féodale. Ok. Bah cool. Ça, c'est pour le tout côté techno. Ah bah oui. Ah mais hyper bien. Voilà. Alors je vais enlever cette table parce qu'elle est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très, ni techno, ni démon. Ni techno, ni démon. Ça passe un peu ici. Ah là. Ouf. Attends, c'est une table avec des glaces. C'est des glaces? Oui, c'est des glaces, regarde. Tourne là. Ouais. Les glaces, c'est des bonbons. c'est... Ah, pas certes. Mal ça. Ça fait un peu démon, éventuellement. Ouais. Et dans les décos, il y a quoi? Un petit fanion, mignon, c'est non. Je sais pas ce que c'est ça. Déjà. Oh là là. Ah, c'est quoi ça? C'est genre des bouteilles, des élixirs et des trucs malfaisants. Très bien. Très démoniaque. Tout à fait démoniaque. Les tableaux d'équipe. Allez, hop, de sport. Une équipe de sport. Elle est pas du tout adaptée. Un bar. Ah, on s'en fout, va-t'en. Attends, Oust, bar à jus chic. Un bar à jus, mais c'est pas. Y'a pas d'ordi dans cette maison. Comment ils pourront regarder le stream? Ah, pas d'ordi encore, c'est vrai. Mais y'en aura, pas de soucis. Un petit bar à jus. Parce qu'elle aime le truc en marbre, même si c'est des bars à jus. Elle aime le truc en marbre. Marbre, même si c'est des barrages. Mais ça, c'est des trucs avec des chandelles, c'est parfait. Dans des cages. C'est très très démoniaque, c'est ça. Très démoniaque. Vraiment, les murs et le sol, ça va pas, mais c'est pas grave. On a qu'à dire que quand ils ont pris l'appart, c'était déjà comme ça, ça l'a fait chier de changer. Ça, c'est assez techno. Ça, c'est techno, ça. Un peu techno-naze. Un peu techno-naze, ouais, c'est vrai. Un bon. Coup. Je sais pas. Pourquoi pas un banc après tout. Alors... Des plots. Oh là là, des plots d'idéalisation. Oh là là. Des roues. Roues. Ça c'est très 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 démoniaque ça. Ouais, elle a des roues. Elle... En équilibre hein. En équilibre, attends. Alors sinon, je vous propose de mettre un projecteur en direction de la piscine. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si on peut faire ça. C'est stylé hein. Faire quoi? Un projecteur? Mais non, en fait, les projecteurs, je peux pas choisir le. Enfin, j'ai pas compris comment on faisait pour choisir le sens dans lequel on les mettait. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ça que c'est? Il m'en faut un. Je sais pas ce que c'est, mais j'en voulais un. C'est une sorte de truc de feu de camp?
pour brûler les cadavres, par exemple. Feu ludique, non. Feu festif. Feu festif. Ah eh ben, un feu festif. Voilà, on a un feu festif. C'est officiel. Bon, bah voilà, la démon est là, sa chambre ici. Je pense que c'est pas mal, la chambre. Étage inférieur, c'est sa salle de bain. Avec des fenêtres. Non, la salle de bain sera encore un ou deux étages en dessous parce qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est plus propre. Parce que on n'est pas des voyeurs et des dégoûtants. Ah, ça non, ça non. Alors, il nous faudrait une cuvette de toilette démoniaque. C'est pas elle a l'air un peu démoniaque, hein, elle est noire. Voilà, et une douche démoniaque. Une douche démoniaque. Non, pas démoniaque ça. Ça c'est pas étonnant. Enfin, celle-ci est pas mal. Un peu techno. Bon, celle-ci est un peu techno. Faut que je mette de la lumière en fait, tout d'abord. Avant toute chose. Voilà, il a tellement dark. Dark Soul point. Alors. Oui. Pas de fenêtre, non, pas de fenêtre. Pas de fenêtre. Par contre, un petit essuie, du papier toilette à côté des toilettes parce que sinon ça marche moins bien. Tu peux mettre les toilettes sans papier toilette, ça. Non. Ben oui. C'est le genre de piège typique de Dark Souls. De Dark Souls. Ouais, le jeu que l'on joue là. Ah oui, Dark Souls, ouais. Ouais, je connais. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas, c'est pour mettre le linge sale, ah, ça. Le sale, ouais. Ah voilà, elle me met là. Est-ce qu'il y a des trucs de serviettes, ouais, voilà, parfait. Tout est très très éloigné. Ouais. Et le sol c'est de la moquette, je pense. Pas sûr. Hein, pas marrant. Top quoi, tu te nettoies là, et puis après tu marches avec les pieds mouillés jusque là pour aller t'essuyer. Mmh. Assez nul. Assez nul. Ça me plaît assez bien. Un petit plan de travail diabolique. Non mais, bien t'aligné au mur, espèce de relou, hein. Ouais, non, comme ça, voilà. Hop, voilà, et là on en fait un deuxième à côté. Et on fait des éviers dedans maintenant. Bah là, imbécile! Mais il est fou, me parle. Bon, il veut pas. C'est pas grave, on va mettre un évier tout fait ailleurs. C'est des plans de travail, s'ils veulent faire la cuisine par exemple. Dans la salle de bain. S'ils veulent faire la cuisine, bah. Peut-être non, sinon tu peux mettre un miroir. Ah, mais non, il faudrait mettre au-dessus de l'évier. Ouais. Alors, voilà, pas mal. Bon, voilà, on a deux pièces pour la Technodemon. Maintenant, on a encore deux pièces à mettre des trucs dedans. Bon, j'ai pas de PS3, ça m'intéresse, mais si la PS4 était rétrocompatible, c'était envisageable, sauf que non. Ah, mais alors, moi, c'était mon grand problème aussi. Pourquoi? Bah, le fait que la PS4 soit pas rétrocompatible, quoi. Sinon, j'aurais direct pris une PS4 et non. Ah, oui, oui, carrément. C'est hyper nul, je crois. Blablabla, ça c'est clair. Alors, ici on pourrait faire une salle d'invocation. Non. Là. Cette salle de bain a de très beaux papiers peints. Mais attends, c'est bon, il y a eu une hécatombe d'épée. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est Techno Diabolique qui est là dans sa pièce. C'est quoi, c'est des poignards ça? Ah, je sais pas, ah si, voilà. Ah, je sais pas. C'est poignard. Ça se pourrait. Alors en fait, c'est elle veut tuer le cheval. Elle veut tuer le cheval. C'est son objectif numéro 1. La Technodemon, elle déteste le cheval. Ah oui, là c'est ça. Elle prend son bain en pensant à toutes les manières dont je pourrais le tuer. Quoi. Ça c'est une autre pièce, c'est la pièce de tuage de cheval. Ah, c'est la pièce. Ok, la pièce de combat quoi. De je montre. Avec ce truc de Technodemon qui font de la lumière, je sais pas trop ce que c'est, mais elle le sait très bien. Elle sait, et voilà, c'est tout. Ah, bye bye, Dorg. See you Ciao. Next week if you want. It's See ya. Like a weekly stream if you want to come again. See ya. Non. Hop, voilà, cette pièce-là, elle est faite. Pouf, on va y arriver, hein. Cette pièce-ci. Qu'est-ce qu'elle pourrait encore avoir comme pièce de Technodemon? Elle a une chambre, une cuisine éventuellement, une cuisine personnelle. Ça pourrait se prendre ses chaussures de Technodemon, mais pff, c'est un peu trop cliché. Alissab, hey, hello. Hello. Des gens viennent, des gens partent, c'est un peu le cycle de la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, une feuille qui brille? Mais... c'est sublime! Mais c'est tellement Technodemon.
J'en veux un sur chaque mur, ça aussi. C'est où que je l'ai trouvé? C'est ça. C'est pour remplacer le cheval en plus. Genre, je ne veux pas voir ce cheval! Elle a tapissé avec des chevaux, mais elle les déteste. Oh là là, la caméra m'aide pas. Hein. Voilà, ça coûte vraiment cher, j'ai l'impression. Ça se pourrait que ça coûte 5 000 $. Mais. Allô la caméra? Non, 500 $. Alissa, we are French. Actually, we are talking in French, but we are not from France. But anyway, sometimes we are also talking in English. Wow. What is that? Mais la caméra, mais calme-toi, Vincent. C'est un truc à faire des glaces. Some people in the chat are. C'est un truc à glace. Oh, c'est stylé. Mais c'est fait à partir de sang de cheval. Hein. C'est sûr. Aucune idée. Est-ce qu'elle a des plantes mortes? Non, c'est pas mort du tout, ça. Ça non plus, c'est pas mort du tout, mon sang. Je sais même pas ce que c'est, ça. Ah, c'est des plantes suspendues. Ah, oh, c'est trop beau. J'en mets une, là. Ça sert à rien, mais... Mais c'est là. Il lui faudra un trône de démon. Oh là là, c'est stylé. Peut-être là-dedans, un trône de démon. Ah non, mais ça c'est payant, on n'en veut pas de vos trucs payants. Ah, c'est grave quand même. Parce que moi j'ai acheté ça à très bas prix, mais des gens qui achètent ça au prix plein et qui se retrouvent avec des micro-achats intégrés au jeu, qui ont acheté toutes les extensions, il y a encore des micro-achats dans le jeu. C'est fou quoi. Je trouve ça malade. Attends, Captain Humar, c'est vrai ce que tu dis là? Il y a la doubleuse française de Krillin qui est morte? Non. Ah bon? Elle peut pas mourir. Ça me rendrait un peu triste. Technotrone. Ah mes aïeux. Pas dingue ce Technotrone, mais bon. Non, il est pas. Ouais. Mais bon. Ah, ça la rend déjà un peu mieux. Pas mal. Bon voilà. Oh. Non, je remarque que ce sera pas intéressant. Alors, l'étage en dessous, c'est la salle de bain. L'étage d'en dessous, c'est l'entrée. Avec ce mur que je n'ai pas décoré d'ailleurs. C'est parti. Voilà, c'est fait. Un grand écran, voilà, elle a un écran. Et alors, elle va avoir aussi un écran qui donne sur l'extérieur, ce que je trouve une super bonne idée. Regarde ça. What? What? Ah, mais. Les gens passent. Ah, ils voient l'écran, c'est vraiment juste pour les gens de dehors, quoi. Ouais. C'est tellement stupide. Il y en a un autre? Il y en a un autre là, ouais. Ah, bon, alors ça va en fait. Oui, c'est plaisir pour tout le monde. Non, attends, mets le canapé dans l'autre sens. Mets le canapé qui regarde le... C'est si idiot, mais... On sent. Hyper chiant, tu vois, genre. Oh non, mais horrible. Si tu veux regarder la télé... Si tu mets tes jambes, c'est cool, là. Mais si tu veux regarder la télé, t'es obligé de t'asseoir sur le truc pas confortable, quoi. Exact. Ou être dehors. Mais tes jambes sont bien mises. Ouais, c'est vrai que tes jambes sont bien. Oh là là. On va mettre un ordinateur ici, comme ça c'est une bonne chose de fait. Mais c'est quoi cette table? Voilà. C'est où les ordinateurs? C'est là. C'est beaucoup trop bas ça comme bureau. C'est drôle. Ah non, il veut pas la mettre dessus, bon. Oui, mais la voix de Krillin, elle, genre, enfin, la doubleuse, elle était dans plein de trucs. Merde. Ah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai enlevé un bout du sol. J'ai la flemme de le remettre. Ah, il y a un bout d'herbe ici, c'est pas grave. Oh, ça c'est beau, ça. Ah, ouais. Bon, non, on va le remettre quand même, c'est pas beau sinon. Mais pas le même, par contre. On va le remettre, mais pas le même. Oh, c'est un petit tapis, quoi, du coup. Ça fait un tapis, ouais. Pas mal. Pas mal. Du coup, un ordinateur. Voilà. Ah, l'ordinateur stylé. Pour voir notre stream. Éventuellement, on peut faire d'autres choses. Il y a plein de trucs à faire avec un ordinateur, je pense. Jouer aux Sims 3. Et oui. Bon bah, pas mal, hein. Cette petite tour, elle est faite, finalement.
mal. La tour est faite. Maintenant, le couloir ici. Il faudra faire la chambre de... je sais plus comment il s'appelle. Legolas de Bourguignon. Legolas de Bourguignon. Mais n'importe quoi. Alors attendez, the heck? Everyone on this stream is a rebel. Alors la chambre de... Non, ça c'est... Daphné, c'est vraiment, elle a pas du tout le même rôle. What? Ouais, c'est bizarre. Ah mon dieu, Scooby. Oh non, Scooby, il y a un monstre derrière toi. Actuellement, il y a tellement de pièces inutiles. Moi, je double Samy, en fait, je sais pas si je vous ai dit. Je suis le doubleur officiel de Samy. Dans Scooby-Doo. Et je suis aussi le doubleur de Pumba du Roi Lion. Eh bien alors, tiens. Allons, je vais te montrer, c'est très très bon de manger des... Oui. Il faut une pièce pour le cheval. Alors, regarde, tu peux manger. Manger des insectes, y a rien de meilleur. La pièce pour le cheval sera 7 pièces. Voilà. Je sais pas ce que c'est exactement. Gamelle bon marché pour animal. Pierre de gonk. C'est quoi? Mais c'est pas là les trucs pour cheval. J'avais trouvé le truc pour cheval, je sais plus où c'était. Animal. Oh là là, mais c'est le sol, t'as vu ça, mec? Chaud. En effet, oui. C'est des légumes. Alors, ça, c'est, c'est la pièce du cheval, ok? C'est... Ah ouais, la pièce du cheval, bah là, ouais. Qui est donc au deuxième étage. Hein. Bah, pourquoi pas, finalement. Il a qu'à y aller s'il est si malin. Hein il a qu'à y aller s'il est si malin. Oh là là, mec. On est un peu grand pour, pour ma pièce. Là. Mais c'est quoi les trucs pour les chevaux, ça? Ça c'est les trucs pour les chevaux. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une boule. Un réservoir d'eau, mais j'en ai déjà mis un, ça c'est cool. Ah le doublage de Pumba, je l'ai plus bossé depuis un moment, voilà, c'est tout. Et bien alors Timon. Et tu le fais quand même toujours aussi bien. Encore une botte de foin parce qu'on on est bien dans cette pièce. On s'y sent bien, voilà. C'est la pièce du cheval. Tout le monde adore le cheval. Il y a du foin dans tout, de toutes sortes de façons. Il y a plein de T'as vu tous ces foins différents qui existent. Oh, c'est fou. Voilà. C'est pas mal cette pièce. Une pièce remplie de foin. T'as vu une réponse. Comme ils doivent s'ennuyer, comme ça doit être trop pénible d'amener tout ce foin ici. Oui, et c'est le seul truc que je peux mettre. Hein. Tout le reste est trop grand, il faudrait que ça aille dehors. Bon. Accessoire de scène. Quoi? Ah, parce que tu peux le dresser, je pense. Tu fais des trucs à beaucoup. Ah. Votre truc avec un cirque, regarde. Oh non, mais pitié! Oh là là, il est incroyable ce cheval, décidément. What the fuck? Je sais pas trop ce que c'est, aucune idée. Il y a un personnage, on dirait, à gauche, le truc que t'as pris. Wow. Wow. Quand tu montes l'escalier, t'as ça en direct. C'est pire que chez nous. Un techno, ah, c'est, pas ça. Ça, c'est techno pour. Ça, c'est techno-démon, ça. C'est techno-démon, ça, mais hein. Pourquoi on n'a pas encore mis ça chez le techno-démon? C'est la technoporte vers le technomonde. C'est la technoporte vers la technoporte. Voilà, techno passage. Très bien, donc la pièce du cheval elle est assez bien faite je pense, on est assez ok. C'est quoi ça? C'est un énorme tas de glace. Très bien, ça va assez bien avec le cheval. Du coup on peut mettre des trucs pour chat dans le truc du chat aussi, parce qu'on n'a pas fait ça, on a mis que des trucs d'humain dans le truc du chat finalement. On va réparer cette erreur et mettre un arbre à chat ou bien un truc pour chaton. Voilà, c'est là où il dort. Le grand lit, c'est la lune des invités, par exemple. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un truc. Ah, oui, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. C'est pour les chiens, ça. Les chiens. Gamelle waf waf, la litière du futur, arbre à chat, voilà, ça c'est bon ça. Voilà, il y a un arbre à chat là. Il est bien. Il est très bien. Bah, je crois qu'on est bon pour le chat du coup. Une petite niche. Une niche. Une niche à chat.
Et une niche dehors de sa propre maison. Là où il a envie. Donc il se dit, non, c'est trop grand ici, j'ai envie d'un endroit plus petit. Donc il reste vraiment plus qu'une pièce pour les Legolas 2, et là on est ok. Ouais. Et après je peux faire n'importe quoi avec toutes les pièces qui restent. Exact, comme par exemple faire la salle de répétition de musique. Bon, ouais, il faudra aussi une salle de bain, une cuisine, une salle à manger, et une salle d'amoureux peut-être. C'est ce qu'on appelle une salle d'amoureux dans... Je fais ça parfois. une salle d'amoureux. Moi je sais très bien ce que ça va être, ah ça t'amoureux. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est une porte, tu restes à la porte. on commence par faire la chambre de Michel Legolas de toute façon. Qu'est-ce qu'il nous reste comme pièce vide? Alors et là il y a mais Roger Carrel, Captain Olimar, mais Roger Carrel il est imbattable. C'est encore plus en haut, c'est classique pour être la pièce dodo de... Qui n'aime pas Roger Carrel? Oui, il est bien. Alors la pièce de dodo de Legolas, il lui faut un lit très Legolasien. Ouais. Oh, je sais pas. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal, voilà. Avec des grandes plantes vertes. Qu'est-ce qui se passe? Faire des 4 ans pour faire une maison au calme. Ah c'est vrai que on fait elle est pas bien. Finie, elle est pas finie est pas en finie. Plus c'est ça elle le pire c'est qu'elle est, elle est même pas du tout finie, genre j'aurais carrément pas fini. Et 4 heures pour faire une... Ouais 4 heures éventuellement mais bon voilà, mais c'est... ouais j'avoue hein. J'ai pas d'excuses. Oh. Les tapis sous le lit. Non, il est très venu. Ça, c'est la chambre de qui? C'est la chambre de Legolas. Ah, Legolas 2, tu veux dire. Legolas 2. C'est celui qu'on appelle Legoli. Legolito. Non, en fait, il va des... j'ai envie qu'il ait des écrans géants. Voilà, j'ai envie qu'il ait deux écrans géants. Putain de merde. C'est un peu trop géant, ça. Oh là là. Voilà, des écrans géants, mais genre 4. Il pouvait pas en mettre un gros, il s'est dit je vais mettre 4 petits. Donc à fait. Oh là là. Il va être temps d'écrire le mot de passe. Le mot de passe magique. Oh là là. Sont pas peu. Voilà, sa chambre pas mal, elle est assez sobre finalement, avec 4 écrans géants. Non, pas 4 écrans géants, 5. C'est fou combien de... Non, je peux pas. Camille dit, c'est fou combien de beaux papiers peints dans ce jeu. C'est clair. C'est oui, hein. Excellent. Alors, il faudrait un fauteuil un peu elf. C'est pas l'autre elf, ça. Non, c'est pas elf. Ça, peut-être c'est elf. Ouais, ça, c'est un peu plus elf. Bon, voilà. C'est sa chambre. Hein. Oh. Il a pas de réveil, hein. Personne n'a de réveil en fait. Attends, est-ce qu'on a... Ah, il y a des consoles de jeu, t'as vu? Oui. Tu veux qu'on en mette une à Legolas? Mais en fait, on en a déjà mis plein. Ah, hein. Mais oui, c'est le chat quand même. Oh là là, des vieilles tables. Ultra stylé, ça. Stylé, ça. Ouais, il a ça dans sa chambre. Voilà, il s'amuse. Cette baraque elle a plein de bonnes choses en fait, ouais, c'est juste qu'elle est organisée n'importe comment, ah, elle est dégueulasse, mais ça me dérangerait pas de t'habiter dedans, mine de rien. On se débrouille quoi. Le problème c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de tables actuellement. Quand même un truc mine de rien plutôt important. C'est ça qui est les tables, c'est un peu dépassé les tables. Ah bon, alors là ça sera des toilettes, parce qu'il en faut, c'est important, j'en ai mis qu'une fois jusqu'à présent. Les toilettes, voilà, les plus chères, celle-là, ça c'est les plus chères, sérieux. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une toilette comme dans les hôpitaux, quoi. Ah oui, oh là là. Hyper mal fait, quoi. Tellement mal pensé. Oh mon dieu, la lampe au pire endroit. Non mais laisse-la là, la lampe elle est parfaite. Oui oui. Non mais pas d'autre. C'est tout. T'as... C'est vraiment genre, t'es dans les toilettes, tu vois juste la lumière qui est pas là-haut. Passe par en dessous du mur, c'est le seul truc qui gagne. Ça l'ambiance. C'est très bien. On peut mettre un petit.
délire. La taille de la maison est pourtant la pièce toilette de 2 mètres. C'est vrai, oh, c'est trop bien ça. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est très cool. C'est genre un resto quoi. Aujourd'hui, plein du jour, au cas où il y a quelqu'un qui vient du toit, je sais pas. C'est ça, voilà. Cette baraque, elle... Putain, qu'elle n'a pas alors, de sens. Alors, ce que je peux faire éventuellement, si ça vous dit. Parce que là, ce sera bientôt la fin du stream, malheureusement. C'est vrai. Mais je peux. Alors, en fait, c'est au chat de me dire ce que vous préférez. Dites-le moi sincèrement. Soit. La semaine, on s'arrête là, je sauvegarde, et la semaine prochaine on continue, hein, là où on en est. Voilà. Soit, d'ici la semaine prochaine, je finis l'aménagement de la maison, c'est-à-dire que je vais encore prendre une heure ou deux pour finir d'aménager toute cette merde. Ouais. Et la semaine prochaine, on commence à jouer directement les Sims, quoi. Ah, et tu nous présentes la maison que t'as fait. Et je vous présente les boucs que j'ai ajoutés. Ah, ça, moi j'avoue que ça me plairait bien, mais alors c'est aux gens de décider, c'est vrai. S'ils veulent voir la création, c'est vrai que... Moi j'avoue que j'ai des bons souvenirs aussi de moments où tu me présentes à juste des conneries que tu avais fait. Je trouve que c'est assez amusant. Mais... Là il reste beaucoup de pièces à aménager quoi. Ah, il est bientôt 1h du matin. Là tu peux t'amuser à faire pas mal de conneries. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rien qu'au rez-de-chaussée. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces à aménager. Ouais. 15 c'est beaucoup quoi. Ça va, mais si les gens veulent voir ça en stream, je sais pas, hein, peut-être que... Fini l'aménagement de la maison et surprends-nous la semaine prochaine. Comme ça, on sera en mode waouh. Alors. Ça me semble moins sérieux que ça. Fini là la semaine prochaine. Très bien. Bah, j'essaierai de prendre du temps, ce qui devrait pas être si difficile, pour finir la maison. Ferru dit juste fini là. C'est un peu dur de savoir ce qu'il veut dire par là, mais. Est-ce qu'il veut dire fini là maintenant ? Fini là avec nous ? Ou est-ce qu'il veut dire fini là ? Hors stream et comme ça on découvre. Alors maintenant, non, de toute façon je vais pas la finir maintenant, ça c'est pas poste. Ah non, mais pas maintenant. Il y en a bien pour 2 heures. J'aime bien cette piscine là, elle est. Elle est pas mal. Ouais. Avec, je trouve que la voir. Tiens, il y a des poteaux là. J'avais oublié. Je trouve que du coup t'es un peu. Tu te sens bien entouré de. Ouais, de c'est agréable, je pense. Ouais, je pense aussi. Bon, voilà. En fait, franchement, elle est construite n'importe comment, mais si on me donnait cette maison, je dirais pas non. Ah c'est vrai. Moi si on me donnait cette maison, c'est... Moi, je dirais pas. Si on me donnait 500 millions, je dirais pas non plus. C'est vrai. Je préfère ne plus laisser un seul moment. Je préfère ne plus passer un seul moment sur ce stream. Mais je veux dire, je préfère que la prochaine fois on commence le vrai jeu. Ok. Fini la solo. Demande en anglais, ah oui. We are going to leave, but there's a choice for you. You have to choose if the next week. Next week, Mordis Ghost finish to fill all the house. The house to put all the thing to put all the different Möbelstück. to fill the house with all the things, or if it does it off stream and he presents us the house next week. What do you choose? What do you prefer? Elle est grave belle cette maison. C'est vrai que... Ah, il faut pas lui tirer le thème, c'est très juste. Oui. C'est très juste ça. On va tirer le thème. Bon, je veux bien la finir ensemble au prochain stream, comme je dis. On va peut-être faire un Stropole, non? On peut faire un Stropole, oui, on a le temps, il n'y a pas de soucis. Je vais faire un petit Stropole. Alors. Je fais une pièce là. Voilà. Regarde, dans cette pièce, il y a une chaise pour s'asseoir hein, si on a envie. Et aussi un tableau lumineux avec des tatouages. C'est tout, y'a rien d'autre. Stropole. Bon, j'écris le Stropole en anglais, comme ça tout le monde, je pense que tout le monde va comprendre. Oui.
viens d'avoir une idée géniale. Je repasse en mode construction. Et là. Tac, et là c'est bon. Et là vous pouvez voter. Please vote. Regarde ce que je fais, mec. Ah, c'est incroyable. Je sens que tu vas nous épater. Non, c'est pas ça. Je sens que tu vas encore nous épater. Et ici, voilà. Voilà, je peux faire un petit pont. C'est pas génial. Donc, il y a une forme de merde en plus. Oh là là, t'as fait un pont. Ouais, j'ai fait un pont. On peut faire des ponts. De... Les gens... les gens peuvent vraiment passer du coup. Je crois. Je vois qu'on fait de porte, mais on... ça c'est une question de minute quoi. C'est une question de minute. Merde. Ce pont n'a tellement aucun sens. Franchement, c'est pas la meilleure baraque de tous les temps, ça. Please, English people, vote, voting on the straw poll, it's important. Voilà. En mode pépouze, je viens de faire un petit pont. On pourrait accrocher un plongeoir au pont, mais alors on avait déjà essayé de faire un truc comme ça et je crois qu'on peut pas. Les plongeoirs c'est que à côté de la piscine. Ouais. Bah ouais, je crois. C'est tellement bien. Ah putain, elles sont pas symétriques les trucs. Quel imbécile. C'est pas grave, je vais refaire ça bien. De toute façon, là on va arrêter a priori. Oui. Oui. Mais attends, je finis juste le pont d'abord. Correctement. On met l'étage d'en dessous déjà, s'il vous plaît. Non, l'étage encore d'en dessous. And Bloody Cosplay, I think Mortis can spend a lot of hours just to make this house totally incredible. Oh, mais c'est assez fou hein, ça. Toutes les colonnes là, je pense qu'il y a des nouvelles potentialités qui s'ouvrent. Oui, hein. Possibles. Ah, c'est pas la bonne colonne, merde. Là, c'est celle-là. Donc là, on supprime ça, on supprime ça, on supprime. Merde! Non, c'est pas ça que je dois faire. Piscine. Cet argent dépensé. Voilà. Bon, bah, je crois que le résultat semble assez clair. Voilà, on fait quoi du coup? A priori, ça va être. Tu finis la maison off-stream et puis tu nous la présentes la semaine prochaine. Très bien. Celui-là, il est quand même. C'est si propre. Du coup, il y a le plongeoir au-dessus du pont, donc tu peux tomber sur le pont. Théoriquement. Quoi? Ah, mais oui, si tu sautes pas. C'est dangereux, mais. C'est vrai que c'est un peu fort, mais bon. C'est aussi ça, c'est aussi vivre dangereusement d'être une rockstar. C'est vrai. Ah, mais j'aimerais tellement vivre là, le petit pont, c'est vraiment le paradis, quoi. Ok. Well. Sauvegarder. Pourquoi? Il faut être en feu, il faut retourner en ville. Bon bah alors, modifier la ville. Non, comment faire? Retourne là. Mais alors la semaine prochaine, il faudra être là pour découvrir la maison finie. Et... Je pense que tu vas nous faire une présentation de chaque pièce, j'imagine.
Oh oui, je ferais vraiment mieux, oui, oui. Bah, ouais, il y a peut-être des pièces qui m'ouvrent moins d'autres, mais. Je ferais. Après. Enfin, je suivrai mon cœur comme d'hab, quoi. On oui, va oui, pas, bah oui. Pas forcément. Je ferai de mon mieux, quoi. Je vais faire de mon mieux. J'espère que je vous décevrai pas. Ok, so next week, Morty's Ghost will present us the finished house with everything inside. Oui. And it will be really fun, I think. I hope. For now, we are done. And we are going. We are going to say goodbye for yep. this week. J'espère que c'était suffisamment amusant. Ouais, j'espère, moi. C'était drôle. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé. Personnellement, je m'amuse toujours à faire de la merde sur les Sims. Mais j'espère que vous aussi, vous vous êtes amusé. Ah, le thème. Le thème, vas-y, échappe-moi là. Ah, je peux tirer? Tu peux tirer, vas-y. Ça fait longtemps que tu peux tirer, je pense, non? Vas-y. Sûr. Tiens-moi les thèmes. Alors, le thème de la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine. Catastrophe au supermarché. On arrive dans des thèmes un peu hardcore là. Hein, ouais, là ça commence à être. La semaine est déjà pas simple, la semaine prochaine ça va être pire. Catastrophe au supermarché. Bon, bah super. Eh bien, les amis, à la semaine prochaine. On a see you next week. Une semaine pour trouver des chansons. See you next week for the adventure. Chanson garde. The following story of The Sims in a strange house. Sans dangereux sans épée, bah vas-y, on met une épée à Megaboy après. Quoi, je me suis vraiment dangereux sans épée. Ah, bon bah écoute, voilà, c'est à chaque personne. Mais on sait que t'es cap sans épée aussi. T'es un coq de combat. T'es une sorte de lion sauvage. Et au final, vous saurez peut-être que plus personne n'aura d'épée, au final, il y aura plus de menaces. De frontières. En tout cas, voilà. Bonne nuit, les petits zouzis. Hop. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas toujours croire en ses rêves, c'est important. Quittez. Hop. Mais j'ai déjà sauvegardé, mais je te refais une troisième fois, parce que comme ça, on est sûr. Voilà, allez. Bisous. Exa Street. Ah bah écoute, peut-être bien, ouais. Trop. On verra.